Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un produit. En fait c'est un testeur de batterie et de tester aussi la charge de l'alternateur. Donc c'est le Topdon BT100. Donc vous voyez, il est super léger, super pratique, vous pouvez le laisser dans votre voiture et il se branche directement à la batterie, il n'y a pas besoin de le charger. Après vous avez une notice qui est en français, anglais, allemand, italien, etc. Donc moi ce qui est bien c'est qu'elle est en français. Voilà, donc vous voyez, il se présente comme ça. Vous pouvez même changer la langue française. Donc on va aller directement le brancher sur la batterie, comme ça je vais vous expliquer exactement. Donc, alors, je vais poser la caméra. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on branche le positif en premier, ok, et le négatif en deuxième. Vous allez voir que ça s'allume directement. Voilà. Donc là, vous voyez, à partir du moment où vous voyez le voltage, c'est que c'est bon, il est bien branché. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on va tester la batterie. Ok. Alors, moteur éteint, contact éteint. Donc, vous rentrez dedans. Donc là, test batterie. Après, vous choisissez votre modèle de batterie. Donc, c'est toujours marqué sur la batterie, normalement. Il n'y a pas de problème. Voilà, EN, c'est bien marqué EN. Donc, il n'y a pas de souci. Vous cliquez là, vous mettez bien l'ampérage. Donc là c'est une 800, vous voyez, vous pouvez choisir comme ça, descendre. Donc là je mets bien 800, ok, on clique, donc essai. Donc moi je sais que cette batterie là elle est un peu faible là, vous voyez, santé 16% et elle est chargée à 63%. Donc vous voyez 16%, là vu que ça change, c'est l'hiver, elle va bientôt être finie. Donc moi j'ai une batterie neuve, je le sais, je vais la remplacer. Après, je vais vous montrer sur un autre véhicule où j'ai changé la batterie récemment et vous allez voir la différence. Mais moi, je savais qu'elle était, qu'il fallait la changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, au deuxième test. Et vous voyez, il vous met en fait le message « Veuillez remplacer la batterie ». Et comme quoi, elle est mauvaise, il y a un petit voyant rouge. Vous voyez, quand c'est bon, c'est vert. Quand il faut charger votre batterie, c'est orange. Et quand elle est mauvaise, c'est rouge. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième test. Donc là, c'est le test de démarrage en fait. Donc là, démarrez votre moteur, vous voyez, vous avez 30 secondes pour le démarrer. Donc je vais poser le petit boîtier, on va démarrer. Voilà, donc là j'ai démarré le moteur. Donc là vous voyez, c'est bien marqué encore une fois, changer la batterie immédiatement parce qu'elle est en mauvais état. Donc moi je le sais, il n'y a pas de problème, mais c'était pour vous montrer. Donc on va faire le troisième test. Donc on revient en arrière. Donc là, charge d'essai. Là, démarrer le moteur. Donc là il est déjà démarré. Et ce que je vais faire, c'est que là on peut le faire dans les deux cas. Ça c'est pour contrôler en fait votre alternateur s'il charge bien. Donc je vais le faire. Feu éteint et feu allumé. Voilà, dans un premier temps, j'ai éteint les feux. Donc là, continuez. Voilà. Donc là, il nous dit en fait pour aller à 2500 tours pendant 5 secondes et appuyer sur rentrer. Donc je vais aller accélérer pendant 5 secondes à 2500 tours et je reviens faire rentrer. Là on appuie sur entrée, on attend. Voilà, excellente performance, ça veut dire que l'alternateur il charge bien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire le même test mais avec les phares allumés. Ok, je vais allumer les phares. Voilà, je reviens en arrière, charge d'essai. Voilà, là c'est pareil, on fait à 2500 tours pendant 5 secondes.
appuie sur entrée. Voilà, excellente performance. Donc, on voit bien que l'alternateur il charge bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais éteindre le moteur. Voilà, donc vous voyez, il me dit bien que l'alternateur il marche bien, mais par contre il faut changer la batterie. Donc c'était pour vérifier si la batterie a marché bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre test sur une autre voiture où je sais que j'ai changé la batterie. Ok, donc on va y aller tout de suite. Et vous voyez, en fait, regardez, si je refais un petit test de cette batterie là, voilà, 800 ampères, et c'est, voilà, regardez, l'alternateur il a bien chargé la batterie à 100%. Par contre, vous voyez, la batterie bah, elle a encore baissé, elle est à 15% maintenant. Voilà, donc moi je vais changer la neuve. Mais en attendant, je vais vous montrer sur une autre voiture. Donc, on va aller voir ça. Voilà, donc là, on est sur mon utilitaire. Moi, j'ai changé la batterie il y a un an. Donc, je sais qu'elle est en bon état. Donc, on va brancher pareil. Hein. Le positif. Ça. Voilà, donc là il s'allume. Donc on va tester juste la batterie, je vais pas faire tous les tests. Donc hop, on appuie. Voilà, donc là on va tester la batterie. Voilà, vous voyez, santé de la batterie 71% et elle est chargée à 87%. Donc là, la batterie elle est bonne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait ce testeur de batterie. Donc c'est la marque Topdon BT100. Et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si le testeur vous intéresse. Après, il n'est pas trop cher, il est dans les 50-60 euros. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !